Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 128 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui un petit jeu tout sympa, tout mignon, j'ai envie de dire, qui s'appelle Limbo. Mignon, c'est une façon de parler, vous allez vous en apercevoir que c'est un peu spécial. Le jeu en lui-même est assez spécial, le style, je pourrais même pas trop le définir. C'est de la plateforme, mais en même temps c'est un peu de la réflexion et ouais, c'est tout mignon, c'est tout calme. Déjà, vous écoutez le son. Il n'y en a quasiment pas. Le jeu commence directement là, vous allez voir. Il n'y a pas besoin de nouvelles parties, options. Non, non, ça ne connaît pas. Il y a le jeu. Voilà. Donc là, on va pouvoir y jouer. Donc là, on est le petit mec qui est allongé par terre là. Il va se réveiller d'un instant à l'autre. Peut-être si je bouge un peu. Voilà, il ouvre les yeux. Là, c'est un peu glauque, hein. On se dit, des yeux blancs. Donc le mec, il est là. Un petit enfant qui se réveille dans la forêt. Il fait tout noir. Fait tout gris, on verra pas mieux que ça, hein. On verra pas mieux que le noir et le gris, donc je vous le dis tout de suite, il y aura pas tellement de couleurs. Hop là, donc on peut se déplacer avec notre petit limbo. Ah, il y a un truc blanc là par terre, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, je ne sais pas, j'ai cassé un truc, j'ai causé marcher, c'est cassé. Hop, donc on peut sauter, vous avez vu, on peut avancer, c'est tout ce qu'on peut faire apparemment pour le moment. Hop là, hop, je sais pas s'il y a des trucs. Hop là, on saute. Oh merde! Ah, mon personnage vient de mourir. J'ai peut-être sauté un peu trop fort. Vous avez vu comment il s'est scratché par terre? Hop là, là c'est mieux, on glisse. Hop! Et il y avait des pics là, je crois, dans le fond du truc. Alors là, est-ce qu'on peut tirer ça? Ouais! Faut appuyer sur contrôle. Voilà. Hop. Youhou, on descend la corde. Faut pas sauter trop, hein, sinon on meurt, hein, comme vous avez vu. Hop, on va ici. Et on saute. Oh merde, c'est de l'eau ça. Ah, je sais pas nager. Oh merde. Mon personnage ne sait pas nager, c'est super. Heureusement que ça revient pas au tout début. Hop, on revient. Hop. Et hop. On descend tranquillou. Ah, c'est pas un jeu stressant, hein, c'est un jeu super zen. Franchement, si vous aimez les petits jeux zen comme ça, c'est bien. Bon, ça peut vous angoisser un peu à des endroits parce que vous allez voir, c'est un peu spécial. Hop là, on saute dans le bateau. Le bateau qui avance tout seul. On va attendre qu'il arrive de l'autre côté. Allez, hop. De toute façon, je vois mal ce qu'on peut faire d'autre. Ah, il y a une rive là, regardez, on va pouvoir sauter et rejoindre la rive. Alors, hop, on saute. Ouais. Comment je fais pour monter? Ouais, donc là c'est un peu casse-tête. Comment je dois faire? Est-ce que. Il me faudrait un truc pour mettre en dessous? Est-ce que je peux pas mettre un peu le bateau? Ah, il y a une poignée là, apparemment, non? Ouais, voilà, il y a une poignée au bateau, je tire. Ah, donc c'est en sac, c'est un peu casse-tête, c'est sûr. C'est tout simple. Hein. Hop là, on saute, hop. Là, on doit pouvoir monter. On monte, ta 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 ta. Et si on saute? Youf! Hop, 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 hop. Et non, ouf, je suis pas mort, j'ai de la chance. On remonte, on réessaye. Hop! Ta, 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 ta. Voilà, hop, on est monté sur la rive. Alors ça doit sauvegarder, mais ça ne nous le dit pas. Donc ça le fait tout seul, tout est fait tout seul, c'est vraiment simple. Ils sont pas. Non, il n'y avait pas non plus à se casser la tête, hein. Alors, on avance. Youf! Mon personnage vient de se faire déchiqueter par un piège à loup. Une sorte de piège qui découpe là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! En plus, c'est mes bras et tout, ça me découpe en plein de morceaux. Regardez. Ah, dégueulasse. Par contre, j'arrive pas à sauter au-dessus. Comment je fais? Comment je fais ça? Ah bah oui. Non. Qu'est-ce que je peux faire?
comment je fais pour sauter au-dessus? Voilà, ma tête qui roule par terre. Alors c'est ça, c'est en ça que ça peut être un peu glauque et un peu bizarre pour certaines personnes. Sauf que là, je sais pas comment faire. Comment je... Ah non, je saute pas assez loin pour passer au-dessus des deux. Même si je prends 30 mètres d'élan, ça suffira pas. Puisque mon perso ne court pas forcément plus vite. Astuce du jour, bonjour. Vous avez vu comment on fait. On tire le piège en fait. On le déplace, tout simplement, au lieu de marcher dessus. Ah non, putain. Ouf, heureusement que ça recommence, hein. Heureusement qu'il n'y a pas de vie aussi, je serais mort depuis longtemps. Alors faut que je saute par-dessus ça. Hop. Ah non. J'ai pas sauté assez bien. On va pas s'en sortir, hein. On passe déjà un petit moment là-dessus. Allez, on saute. Hop. Et sur l'autre piège. Allez, hop. Voilà, ça y est. Ouh, j'espère que ça sauvegarde, hein. J'ai pas envie de recommencer ça. Allez. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un cadavre au bout d'une corde. Un piège là en dessous. Ouais. C'est moyen quand même. Donc il y a une vieille femme là. Ouais, mais apparemment. Donc attendez. Je tire sur la corde. J'essaye de monter. Et si je saute, ça va pas assez loin. Est-ce qu'on pourrait pas mettre ça en dessous de la femme? Sauter sur la corde. Elle se fait bouffer, donc du coup la branche remonte plus haut. Et donc du coup on peut sauter. Voilà. Magnifique. Alors on s'attend à tout dans cette forêt, hein. On croise vraiment de tout. Ça c'est quoi? Ok. Oula, là, il y a un rocher qui m'arrive. Non, non, yo! Je viens de me faire ratatiner par un rocher. Ok, on va réessayer, on va feinter le rocher cette fois-ci. Hop là, on repart dans l'autre sens. Hop là, il est feinté. Et hop, on passe par-dessus. Le petit bonhomme. Ça doit être un gosse à tout casser de 8 ans, ça, non? J'imagine. Allez. Je sais pas dans quoi je marche aussi bien dans la broussaille, il y a des pièges. Ça m'étonnerait que ce soit aussi vicieux que ça, mais. Mais il y a moyen quand même. Ils sont bien capables de nous faire un truc dans le genre. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas, je vais continuer, je vais voir. Il y a une caisse ici. Elle va me permettre sûrement de monter à la corde que j'ai vue. Parce que bon, une caisse dans l'eau. Voilà. Yop, on monte sur la caisse, on monte sur la corde. On se balance. Oula, maintenant. Mais faut que je me balance au bout en fait avant. Comme ça. Alors là, de droite à gauche sans sauter, évidemment, c'est mieux. Yop. Et hop. Hop là. J'ai sauté. Hop, on rejoint l'autre branche. On passe de branche en branche, c'est sympa. Hop. Et hop là. Il y a de la force quand même, notre petit bonhomme. Youp. On peut monter, là il y a une corde, hop. Il y a quelque chose de caché, je pense, non? Quelque chose là-haut, il y a une branche. Oh non, je suis retombé. Ouh, il s'est accroché. Moi je me serais démonté les deux bras si j'avais sauté comme ça de si haut en m'accrochant avec mes deux bras. Yop, yop, on va monter un peu plus. Allez, yop. Et à la une, à la deux et à la... Wow. Hop là. Là il y a un petit off. Ouf. Encore un petit truc que j'ai écrasé qui fait plouf. On sait pas trop à quoi ça sert. Aucune idée. Si c'est juste pour ça, s'il y avait que ça en haut, c'est un peu con. Et du coup là-bas il y avait de l'eau. Alors je sais pas comment je passe dans l'eau parce que je sais pas nager. Je suis un petit enfant qui sait pas battre des deux bras pour nager dans 2 cm d'eau.
Donc ça va être compliqué. Est-ce que bah, l'histoire de la caisse, ça peut être utile? Ouais, la caisse, normalement, ça flotte. Logiquement. Si je la pousse un peu. Non, elle m'emmène pas. Elle peut pas flotter cette caisse. Je peux pas me mettre dessus et nager avec mes bras, non. Elle revient toute seule, regardez. Elle revient. Ah non, non, oh non, je suis dans l'eau. Ouh, je me noie. Voilà. Je me noie, c'est super. Il pourrait au moins retenir sa respiration, le petit enfant. Bon, du coup, je atterri là, mais ça fait chier parce que la caisse, j'arrive pas à la faire flotter. Allez, balance-toi. Arrête de revenir. Y a pas de courant. Pars. Non. Allez, pars. Bon, mais ça doit pas être ça la solution, je pense. Hein. Je crois que ça doit pas être ça. Regardez, y a rien à faire. Hein. Ça aurait été plus simple, je pense, si j'avais pu partir. Il va falloir faire autre chose, je pense. Il y a quelque chose que je dois zapper. Oh, la caisse, elle a commencé à bouger un peu là. Oui, non, non. Non, non. La patte. Oh putain. Oui, on est arrivé au milieu. Oh, mais non, putain. Il s'est noyé. Bon, ça m'énerve. Pourtant, j'ai absolument rien oublié. Normalement, y a rien d'ici, y a rien de caché. En haut des arbres, c'était pas. Il n'y avait pas quoi. S'il y avait qu'un œuf pourri là-haut, j'ai rien vu d'autre. Il y avait sûrement une branche que j'ai ratée. Parce que là, franchement, je peux pas continuer là où je suis. Oh non, j'ai encore sauté comme un con. Allez. Allez, allez, mon petit. Youp. Allez, saute. Hop là. On va remonter en haut. Youp, là y a rien, y a pas d'autres branches sur lesquelles je pourrais plus sauter, peut-être prendre de l'élan sur une branche ou autre chose. Là, quand je continue à monter, par contre là, l'arbre est fendillé, peut-être que je peux pousser. D'accord, donc il tombe le truc. Et moi, comme un con, j'ai sauté. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de passer. Sauf qu'il va falloir que je recommence parce que je suis mort. Voilà. Alors, on récupère la caisse. Hop là. C'est un petit peu long. Désolé de l'attente. Hein. Je résous comme je peux les énigmes foireuses qui nous proposent. Allez. Allez, saute. Voilà. Hop, hop. Allez, on va remonter là-haut, mais cette fois-ci on va redescendre par les moyens normaux. C'est-à-dire pas en faisant le saut de l'ange. Ça peut être utile pour vivre, enfin, je trouve. C'est vrai que je me suis dit, bah tiens, je vais sauter comme un con. Hop là, et il est descendu. Donc maintenant, si je redescends, je devrais pouvoir choper la branche. Enfin, marcher dessus pour traverser la flotte. Hop là. Oh, en plus, je me raccroche à la liane. People, quand ça me servait à rien du tout. Alors, est-ce que je peux la pousser un peu? Parce que là, elle est pas top quand même. Hein. Hop, 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 on la pousse dans l'eau. Ça va pas assez loin. Et oui, c'est bon. Et c'était assez loin. Ouh, on peut continuer. Il était temps. Alors, quelle est la prochaine épreuve? Que va-t-on découvrir? Là, il y a un piège à loup. Mais il est en haut, alors je sais pas à quoi il sert. Oula, c'est quoi ça? Une araignée? Ah, je viens de me faire attaquer par une patte d'araignée. Elle m'attaque. Ah bah lui, il est tombé.
Peut-être qu'il fallait. Peut-être qu'on était obligé de faire réagir l'araignée pour qu'il tombe. Et hop là. Allez, on va lui la mettre là-bas. Bon, allez, on va lui coincer sa patte dans le piège à loup. Hop. Oh, elle a tapé à côté, d'accord. Donc il y a un petit temps de latence, il faut qu'elle nous découvre. Et hop là, ah, toujours à côté. Donc ouais, attendez, il va falloir que je décale le piège, voilà, maintenant. Voilà, fouf, elle s'est fait bouffer une batte. Une de moins, il y en a trois. Donc en gros, là, elle me vise, je me déplace. Hop, elle se fait bouffer une patte. On dirait qu'elle regarde avec ses pattes. Allez. Oh non, presque. Ça a presque pu marcher. Voilà, ça y est. Allez, voilà, elle s'est fait bouffer. Elle est pas contente, hein, elle s'est fait bouffer trois pattes. Et voilà, elle s'est barrée, donc on peut passer. Et on peut continuer. Si c'est pas beau, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessous? Youh, ça glisse. Yop, 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 yop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour l'instant, on n'a rien. On n'a rien, on n'a rien. Rien du tout. Ça c'est quoi ça au sol? Je marche dans des toiles d'araignée. Ah merde. L'araignée elle est en train de m'arriver dessus là. Et je peux pas bouger. Ah non, ils vont pas me faire. Je veux pas me faire dévorer en live quand même. Hop, ok, elle m'a pris par le col. Et. Hop, elle me tisse, hein, d'accord. Ok, alors apparemment je suis toujours pas mort, sinon j'aurais eu un bel écran noir. Ou alors ils sont vraiment sadiques. Est-ce que je peux bouger dans mon cocon? Ah oui, je peux bouger. Wouhou! Je me détache. Allez, allez, secoue-toi. Oui, ça tient. Ouh, voilà. Hop, hop, hop. Je suis dans un petit cocon. Ouais, génial. Je suis dans mon cocon. Qu'est-ce que je fais dans mon cocon? Je sais pas. Bon, voilà. Allez, je vais vous laisser, ce sera tout pour Limbo. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.